Allez, retour en français. Il en est très peu question depuis le début du confinement, mais les prostituées sont plus que jamais vulnérables, exposées, expulsées de certains hôtels qui ont dû fermer. Et c'est bien sûr une question de santé publique pour elles, pour leurs clients et donc potentiellement plus largement pour une partie de la population. Bonjour Anaïs Delenclos. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du syndicat du travail sexuel en France. Il y a deux cas de figure. Le respect du confinement et donc plus de travail pour certains et certaines. On y reviendra. Et puis le travail coûte que coûte. Question de survie, unique gagne-pain pour d'autres et un risque de contamination considérable. Alors tout à fait, oui, depuis le début du confinement, ce qu'on remarque, nous, sur le terrain, c'est que les travailleuses du sexe, dans l'immense majorité, respectent ce confinement parce que d'abord, nous sommes tout à fait conscientes des risques sanitaires. Par contre, ça implique effectivement une perte totale de revenus. Donc, immédiatement, des cagnottes se sont lancées dans les différentes associations de terrain. Et par exemple, l'association Accept-Testé, dès le lendemain du confinement, on continuait les maraudes et on distribuait des colis alimentaires, des kits de secours, des choses comme ça. Et donc, on constate que sur le terrain, la plupart des gens ont arrêté. Par contre, certaines personnes se sont retrouvées à devoir choisir entre mourir de faim et ou se faire expulser et le Covid et ont tenté de continuer. Alors, il faut savoir qu'en fait, il n'y a quasiment pas de clients, donc l'activité est vraiment arrêtée dans le secteur. Et il y a cette bascule, je le disais, dans une vraie détresse financière. On va en parler. D'abord, je vous propose d'entendre ce témoignage. Je m'appelle Amar, j'ai 28 ans et j'habite à Paris. Je suis travailleuse du sexe. Financièrement, je me retrouve dans une situation dramatique. À l'heure actuelle, je ne sais pas comment je vais pouvoir payer mon loyer ni faire mes courses. Étant donné que je suis exposée à des contacts physiques rapprochés, je ne peux pas exercer mon travail de peur soit de les contaminer, soit d'être contaminée moi-même. Et donc, je n'ai aucun revenu depuis le début du confinement. Anaïs Delenclos, en début de mois, le syndicat demandait à Emmanuel Macron la création d'un fonds d'urgence. Qu'en est-il ? Alors, nous avons interpellé d'abord Marlène Schiappa, qui a expliqué que c'était très compliqué, parce qu'il semblerait qu'elle trouve que son travail soit trop compliqué pour elle. Donc, nous avons ensuite interpellé effectivement Emmanuel Macron. Mais nous ne sommes pas les seuls, puisque des députés ont interpellé, Laurence Vanceunebrück, députée de l'Allier, par exemple. À ce jour, nous sommes toujours dans l'attente. Il faut savoir que les fonds existent. Les fonds de l'AFIS, c'est l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle, qui sont destinés aux travailleuses du sexe. Donc, ces fonds existent, mais Marlène Schiappa refuse de les débloquer dans le cadre du confinement pour nous apporter l'aide indispensable à notre survie. Alors, on ne sait pas pourquoi elle bloque. Nous savons seulement que sa seule réponse consiste en des stories abolitionnistes sur Instagram. Donc, nous sommes toujours dans l'attente parce que concrètement, nous avons de plus en plus de personnes qui sont expulsées puisque du fait des lois sur le proxénétisme, la plupart des travailleuses du sexe sont dans l'impossibilité d'avoir un bail locatif à leur nom et donc ne sont pas protégées par le droit commun. Et peuvent se retrouver expulsés beaucoup plus facilement. On saura mardi quels sont les détails du plan de déconfinement d'Edouard Philippe. Est-ce que vous demandez que les tests de dépistage qui sont mis sur le marché soient aussi distribués prioritairement aux travailleuses du sexe, qu'elles puissent faire partie des populations bénéficiaires en priorité ? Tout à fait, c'est une nécessité sanitaire, puisque de part notre activité, nous sommes en contact très rapproché avec les clients et il me paraît indispensable d'un point de vue sanitaire pour l'ensemble de la communauté, pour l'ensemble de la population, que nous puissions avoir accès en priorité à ces tests afin de savoir si oui ou non nous sommes immunisés, si oui ou non il nous est possible de reprendre le travail. Parce qu'il va de soi que nous n'avons aucunement l'envie de prendre des risques sanitaires pour nous, mais nous n'avons pas non plus envie de risquer de contaminer des gens ou de ramener le Covid chez nous. Vous dites, Anaïs Delenclos, et on vous entend évidemment que les clients ont presque quasiment tous disparu, mais il y avait quand même cet échange qu'on a pu lire, cette interview dans l'Obs, c'était à la mi-avril, le témoignage d'une prostituée du Bois de Boulogne qui indiquait vivre regroupée en ce moment avec pas mal d'autres prostituées, qu'il y avait, je la cite, toujours autant de clients, qu'il y avait beaucoup qui étaient malades parmi elles et peut-être même des décès. Est-ce que cela fait partie des échos qui vous remontent aussi malgré tout ? Alors, il semblerait que l'article de l'Obs soit en fait un canular, puisqu'ils n'ont pas du tout vérifié leurs sources, que les associations de terrain, en particulier Accept-Testé, qui connaît par cœur le bois de Boulogne, soient allées constater. Il n'y a personne dans le bois qui vit dans les tentes.
Il n'y a pas eu de personne décédée. Le commissariat a confirmé qu'il n'y avait pas de personne décédée. Et par recoupement avec les gens qui continuent le travail parce qu'ils n'ont pas le choix, on voit qu'en fait, il n'y a pas du tout de clients. En fait, donc ça n'a pas de sens. Et l'article de l'Obs vient, d'écrire un nouvel article en expliquant qu'ils ne sont pas du tout sûrs que ce soit vrai. Précision très utile. En tout cas, merci beaucoup, Anaïs Delenclos, d'avoir été avec nous ce matin sur France Info, porte-parole du syndicat du travail sexuel en France.